créé ce quartier dans les années 64, qui était en premier lieu pour accueillir les rapatriés de l'Algérie, dite française. Et ce quartier, déjà, ça ne s'est pas fait dans la joie, puisque c'est des gens qui étaient partis de chez eux, c'est leurs racines, ils avaient perdu. Et c'était déjà un quartier dur, avec une réputation dure, parce que les gens n'étaient pas très heureux, sur le coup. Et j'ai vu évoluer, j'ai vu ce quartier changer. Et c'est tout ce que je peux dire. J'habite à côté et je ne pense pas que je m'en irai. Les parkings avec les voitures le long des bâtiments, ça c'était que de la pelouse, des arbres, c'était le centre là de la place avec les bars et les parkings qu'il y a au milieu, ça n'existait pas ça. Il y avait des vaches, il y avait des poules, des canards, et en fait le pont n'existait pas, la clinique urbaine 5 n'était pas, Sodim n'était pas, c'était que des champs de pommes, de poires. Les gens, les balcons étaient magnifiques. De toute façon, moi je le dis direct, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. Il n'y a que des Espagnols, des Italiennes. On est tout le bloc, il n'y a qu'un Arabe et tous les Français. Comme maintenant, ils tout mettent tous les Arabes dans tout le meuble. En fait, quand je suis arrivé dans les années 70, il y avait deux familles. Il y avait deux familles maghrébines. Il y avait, parce que c'était beaucoup d'Italiens et d'Espagnols. Je crois qu'Avignon a été enceinte de ses banlieues, et puis elle a enfanté plusieurs quartiers, et ce quartier-là de la Reine Jeanne, c'est un peu mon quartier, on va dire, nostalgique, mon quartier de souvenirs, mon quartier d'enfance, mon quartier de cœur surtout. Dans les années 64, 65, quand il s'est créé, c'est vrai que ce quartier avait une vie très, 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 très intense, parce que bon, ces gens qui arrivaient de l'Algérie, avait quand même une dynamique très, très forte. Il y avait une grande fête ici, populaire. C'était une effervescence, ça a monté en pression. Et après, petit à petit, ça a changé et j'ai vu ce quartier quand même devenir pauvre. On a la chance d'avoir un maire adjoint, quoi, qui a vécu dans le quartier, que nous, on a vu grandir, donc qui a fait ses études, qui a réussi à son bac, etc., et qui est devenu maire adjoint. Donc c'est quelqu'un qui est un peu plus sensibilisé que les autres maires adjoints qui ont dû passer auparavant au quartier. Je ne sais pas si je me suis distingué, moi j'ai... plusieurs amis d'enfance qui ont réussi dans leur domaine respectif. Il y a un avocat, un médecin, un sportif de haut niveau. Donc j'ai pas le sentiment d'être une exception. Mais c'est vrai que j'ai aussi compris, je pense que c'est une histoire familiale, l'importance de l'école très vite. Quel était le moyen, au-delà de la barrière de l'argent, au-delà de toutes les formes de déterminisme, que c'était l'école de la République, et nous avons la chance d'avoir un des systèmes éducatifs les plus performants de la planète, que c'est grâce à l'école, grâce à l'éducation, grâce à la culture, grâce à la lecture, grâce à la connaissance, que je pouvais échapper à un destin qui pouvait être tout tracé. Coucou, je m'appelle Yassine, bonjour. Je m'appelle Yassine, coucou. Je vais aller faire mes devoirs. Si vous avez bien travaillé, que vous êtes bien comporté comme toujours, on pourra faire des jeux à l'extérieur. Trop cool. Si ça se passe bien. C'est quoi la lecture silencieuse? Je sais pas dans quelle classe, mais... Voilà, on dit dans sa tête. Sinon, ça va pas. Sur la tête de... Mais c'est pas un truc. Cahier d'aide au devoir. Il est où? Il est où? C'est mardi.
y avait, quand je suis arrivé, il y avait le centre social de la Ranjane. Je l'ai fréquenté, mais vraiment très peu, parce que c'est quand je suis arrivé, c'est la période où il a fermé, en fait. On nous a dit, voilà, la semaine prochaine, il n'y a plus de centre social. Pardon ? Il faut répéter, hein ? Oui, il n'y a plus de centre social. Oui, c'est la mairie, on ne peut pas vous en dire plus, on vous tient au courant. Voilà, ça a duré des années. Ça a duré des années. Mais ça, c'est insupportable comme manière de faire. C'est insupportable comme message envoyé aux gens, comme manque de considération, comme manque de respect de gens qui ont déjà si peu dans leur vie. Ça a été dur pour arriver à faire comprendre aux jeunes du quartier que le centre social, c'était fini. Voilà, et que s'ils voulaient que ça bouge, il fallait qu'eux aussi s'impliquent. Ça n'a pas été évident. En même temps, voilà, ce quartier, il y a eu un déclassement, il y a eu une forme de délitement, il y a quelque chose qui a laissé aller. Et je pense que la fermeture du centre social a été une forme de déclencheur de cette spirale-là. Je pense qu'on est là dans une phase de rebond. Donc j'ai espoir que d'ici 4-5 ans, on puisse retrouver à la Ranjane, la Ranjane d'avant, j'allais dire. Je crois qu'une fermeture d'un centre social dans un quartier, c'est comme si vous enlevez un pilier d'un quartier, quoi. Je crois qu'un centre social a un apport nécessiteux dans la vie de quartier, dans la vie du quotidien. Et je pense qu'après, bon, même si ça fermait, il y a quelque chose d'autre qui a ouvert. Je crois que l'OGA a pu répondre aussi à ces problématiques-là, avec une passerelle d'activité, avec une passerelle d'action. Je m'appelle Adnan. J'ai 13 ans et j'ai 14 ans. Je m'appelle Saïd, j'ai 13 ans, j'habite à Ranjane. Je m'appelle Wali, j'ai 13 ans, j'habite à Ranjane. Je m'appelle Abdelkarim, j'ai 13 ans, j'habite à Ranjane. Je m'appelle Ali, j'ai 14 ans, j'habite à Ranjane. Je m'appelle Amine, j'ai 15 ans et j'habite au Carré. Je m'appelle Oussama, j'ai 13 ans, j'habite à Ranjane. Je m'appelle Marwan, j'ai 14 ans, j'habite au coin des deux. Une fois qu'il y a un esprit qui est utilisé à peu près à tous les groupes, on commence à écrire, on trouve des mots-clés pour que chacun puisse écrire un couplet. On leur donne le nombre de mesures à écrire. Il y en a un qui peut me dire c'est quoi des mesures ? Des mesures, en fait, c'est dans une ligne, il faut qu'il y ait des mesures et il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait des mesures qui disent en fait. Moto cabré sur la A7. Depuis petit, on joue au football. Après le match, on va tous au bol. On habite dans un quartier, on est tous soudés, solidaires, comme des frères. Je traîne tout le temps avec mes potos, jamais d'embrouille, jamais de dispute. Ici, c'est la reine photo en rendant avec les motos au quartier chaud depuis l'époque des oiseaux tous les jours. On va le TV là. Avec mon Naïm et Amine, c'est trop facile. Yo. J'ai la reine, c'est chaud, on rentre en moto. La reine, c'est chaud depuis l'époque des oiseaux. Tous les jours, on vole des vélos. Avec mon Naïm. Ça veut dire que tous les jours, tu voles des vélos. Avec mon Naïm et Amine, c'est trop facile. Ça veut dire que tous les jours, tu voles des vélos. Non, je suis pas en train de faire. C'est pas vrai, donc. C'est pas vrai, donc. Non, je rigole. Non, mais oui, tu rigoles, c'est pas vrai, donc. T'inquiète, Amine, dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, pourquoi tu le mets dans ton texte ? On n'a pas le mot ? Si, t'as le droit. Mais les gens qui l'écoutent, ils vont penser quoi ? Ils vont penser que c'est vrai. Non, mais moi, je m'en fous, mais c'est juste. Ils vont me dire, et là, tu donnes une mauvaise. Ah, Picasso ! Attends, je parle. Et là, tu donnes une mauvaise image de toi et de tes collègues. Mais oui, c'est marrant. C'est comment dire, pour eux ça fait pas de différence, je pense, entre la personne que je suis sans être, on va dire entre guillemets, leur animateur, ou en étant juste un grand du quartier, enfin je pense qu'ils trouvent pas de différence. Ils trouvent pas de différence. Bon, c'est ça a des plus et ça a des moins. On va dire ça comme ça. Et mais bon, tout se passe bien avec les jeunes. Moi, je suis amie avec tout le monde, avec des Noirs, avec des Arabes, avec des Chinois, il n'y a pas de différence.
Ce que j'aime dans le quartier, c'est les voisins. Ils sont très présents et ils sont très serviables. Au quotidien, je peux aller travailler, j'ai la conscience tranquille. Je sais que mes enfants, si je ne suis pas à la maison, ils sont avec les voisins. Ils vont aller les chercher à l'école, leur ramener à manger, les raccompagner. Ils m'aident au quotidien. Ici, c'est comme si je suis chez moi, dans mon pays. J'aime bien la Reine, j'aime bien Avignon. Alors, les problèmes de sécurité sont des problèmes récurrents dans tous les quartiers de toutes les villes de France. Donc on n'est pas spécialement dans un quartier dangereux ou quoi que ce soit. Disons qu'en en 16 ans maintenant, depuis qu'on est là, on a assisté à une rixe à côté, quoi. C'est tout, en 16 ans, quoi. Il n'y a aucune barrière en fer sur la pharmacie. Et il y a 4 vitres qui sont énormes et on n'a jamais eu un coup ni un caillou dessus ou quoi que ce soit. Il y avait de la délinquance, mais comme il y avait de la délinquance dans quasiment tous les quartiers de la ville, malheureusement c'est un fléau, il est toujours d'actualité en 2015. Je ne me suis jamais senti, moi, en insécurité, bah, peut-être parce que j'étais un enfant du quartier, mais je n'ai pas souvenir, même pour mes parents, d'une vitre de voiture brisée ou d'une tentative de cambriolage. Probablement qu'il y avait un sentiment d'insécurité de gens qui venaient de l'extérieur, la tête pleine d'a priori, et qui pouvaient percevoir un geste, un regard, un mot un peu de côté comme une agression, comme une provocation. Mais je n'ai pas souvenir, non, d'un quartier où on avait peur de sortir la nuit, où on avait... Après, il y a toujours eu, et malheureusement ça continue, les questions liées au grand trafic de drogue et d'autres substances. D'accord, il y a peut-être un niveau de délinquance peut-être plus élevé que dans d'autres endroits, et peut-être plus de dégradation que dans d'autres endroits, mais si on parle en termes de sécurité, c'est mon avis personnel à moi, après il peut être partagé ou non. Je trouve qu'on est 100 fois plus en sécurité dans ce quartier, ou dans un quartier en tout cas, qu'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je me trouve, quand j'étais petit et tout, je me suis toujours trouvé ici en sécurité. Je vis dans le quartier, tranquille, sans problème. Il n'y a rien de bêtises, il n'y a rien de... Il y a toutes les gens qui sont dans le quartier, moi, je connais, tranquille. J'habite ici presque 40 ans, je n'ai jamais de problème. Moi, je reste ici jusqu'à la mort. Le bistrot social, il est là à côté. Le boulanger, il est à côté. Le pharmacien, il est à côté. Le bus, il est à côté. Le préfecture, il est à côté. La mairie, il est à côté. Tout est bon. On a vu apparaître une boulangerie, une boucherie, un marchand de légumes, un épicier, coiffeur. Bon, la pharmacie, elle était là, mais disons que c'est plutôt mieux. On a une boucherie, on a une boulangerie, on a un centre social, on a une pour faire du soutien scolaire pour nos enfants, on a des endroits qui sont magnifiques, quoi. Je veux dire, c'est hygiéniquement parlant, c'est propre, quoi. Sur il n'y a pas de bouteilles par terre, on ne jette pas les canettes par terre à tous azimuts. Il n'y a pas de rodéo en voiture. Je veux dire, il y a quand même un certain respect des gens qui travaillent aussi et qui travaillent en maillon social dans ce quartier-là, et chacun fournit son travail social, sa petite pierre à l'édifice pour que ce quartier puisse être embelli. Et moi, je leur tire chapeau à ces gens-là qui travaillent et qui donnent socialement parlant, et qui sont là, qui croient, hein, qui ne sont pas uniquement là de telle heure, ils rentrent à la maison et disent « c'est bon, j'ai fini mon travail social ». Mais le social, il commence en sortant de chez vous. Quand vous sortez de votre demeure, de chez vous, vous commencez à travailler dans le social. Faites du social, pour moi, c'est ça. On travaille ici, on va avec Kadar, on cherche le produit de la banque alimentaire. Et je range dans les étagères comme ça. Je nettoie le bistrot. Et on va attendre les gens après-midi pour les gens qui viennent à faire la commission. Mon travail, c'est je sers. Il y en a deux personnes qui marquent le prix et tout. Mais moi, je sers, c'est tout derrière. Je suis très, très content avec les gens qui sont là. Ils sont de quartier. Mais ils sont tranquilles, ils sont gentils, mais... Il respecte à moi je respecte les jeunes, c'est tout. La Reine Jeanne, c'est malgré que j'ai vécu à la Croix des Oiseaux toute ma vie, toute ma jeunesse, j'ai passé mon temps à la Croix des Oiseaux. Mais là, la Reine Jeanne, 20 ans, 25 ans, 30 ans après, il y a une mixité sociale, il y a des commerces, sa vie, quoi. Je veux dire, il y a sa vie. La Reine Jeanne, sa vie. Parce qu'il y a des questions, hein. J'ai mon téléphone.
pas bien. Si, elle fait normalement. Ah oui, ah oui, ça m'étonnerait que tu me dises en fait. Alors là. Ça, c'est la signature du boulanger. La signature du boulanger. Tu connais. Doucement. C'était pas une boulangerie à l'époque, c'était une épicerie à l'époque, une épicerie orientale. Et puis après, ça s'est transformé en boucherie. Et depuis, en plus, après, quand mon père a acheté le local qui était à côté, il a transféré la boucherie à côté. Et moi, je suis venu ici. Avant, il y avait les camions qui passaient, balayeuses, tout ça, ils ne passent plus. Il y avait tout ce qui... ils ne passent plus. Les ordures restent là pendant quelques jours sans être ramassées. Des tags sur les murs qui ne sont pas... voilà, des murs qui n'ont pas été repeints, je ne sais pas combien de temps, ça fait 20 ans. Donc, voilà, moi, j'ai vu ces bâtiments, ça fait 21 ans que je suis là, ça fait 20, quelques années maintenant. Et bien, ces immeubles, ils n'ont jamais été changés de couleur, ni de visuel, ni rien du tout. D'accord. Depuis que j'y suis, donc c'est normal, je sais pas, mais voilà. Mais quand les gens se retrouvent dans un environnement qui est dégradé, c'est normal qu'ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Quoi. Oui, je pense que ce qui ferait le plus de bien à ce quartier à l'heure actuelle, c'est développer tout ce qui est espace vert, ça, que ce soit des jardins ou des jardinières, ou même à la limite planter des arbres, tout simplement. On va dire mettre de la verdure, quoi, parce que tout ce béton, c'est vrai que c'est épuisant, c'est stressant, c'est pas forcément très convivial non plus. Et puis évidemment, bon, mais il y aurait le côté propreté également à développer. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faudrait se tourner. Parce qu'il y a des gens qui jettent la poubelle dans le lieu. Le machin et les cafards, ils montent. On a marre de mettre les produits chaque fois. Des fois, tu dors, il y a le cafard qui rentre dans l'oreille ou bien dans le nez. Ça, c'est pas bon, ça. J'ai toujours relancé les gens, les élus, en disant qu'un petit coup de frais dans ce quartier, ça changerait tout. Et que, voilà, ça changerait les mentalités et tout. Et bon, on dit toujours, le budget, c'est vrai, c'est l'argent qu'il faut. Et un truc, ce quartier, il y a encore quelques années, était très sale tous les fins de week-end. Des centaines de bouteilles de bière, et ça, on ne le voit plus. Et c'est positif. Et pour les fleurs, ça serait bien. Voilà, c'est facile, quelques barquettes, quelques graines ou quelques plants, et ça changerait tout. Actuellement, on a deux chantiers en cours. Donc un chantier juste derrière nous qui a été réalisé par le chantier embellissement de passerelle sur de la mosaïque, qui représente les dessins qu'ont fait les enfants de l'école, du quartier. Ensuite, sur la place du Viguier, un peu plus loin, on a actuellement le chantier Espace Vert qui réalise une création. J'ai envie de changer un peu quand même, parce que moi aussi, j'aime bien toucher la terre. J'aimerais bien planter des fleurs. Ça, c'est mon rêve, j'en rêve toujours. Effectivement évoluer dans la vie, évoluer dans la société, même quand on vient de la reine jeune. Et je pense même que c'est un atout, parce que on a une expérience de vie qui est souvent une expérience difficile. Moi, j'ai le souvenir, et encore, j'étais pas dans les familles les plus difficiles du quartier, mais quand on est enfant, qu'on voit ses parents se serrer la ceinture, qu'on voit les copains à l'école qui ont des choses que l'on ne peut pas s'offrir, ça forge aussi un caractère, ça forge une expérience, ça forge une force aussi face aux épreuves. Et je pense que ça, c'est un atout. Donc, foncez. Et n'ayez pas peur de ce que vous êtes, soyez-en même fiers. Je trouve que par rapport à d'autres quartiers, on est un quartier au contraire qui se mélange beaucoup. Enfin, si on parle que de la Reine Jeanne, c'est un quartier qui se mélange avec les habitants de Saint-Jean, des Neuf-Pères, du Pont des Deux-Eaux. Il y a beaucoup de liens entre ces plusieurs quartiers. Et c'est ça que je trouve formidable aussi ici. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas de partout, que ce soit sur Avignon ou dans d'autres villes. En ce moment, depuis quelques mois, allez, on va dire une bonne année,
Les mentalités changent. Je trouve que l'ambiance est meilleure. La participation à la maison des associations est quand même bien. Quand on demande une implication aux gens du quartier, ils viennent. Voilà, je trouve que c'est plutôt mieux et c'est calme. Moi, je le vois dans le quartier, chez moi. On n'est plus embêté par certains qui venaient embêter, crier des choses ou casser des voitures, des voisins, tout ça. Je trouve que l'ambiance est très sereine, pourvu que ça dure. Mais j'ai confiance. À son engagement, il a voulu aussi rendre hommage à Aimé Césaire et ce projet d'aménagement de ce square qui était un espace public abandonné, comme il y en a trop encore malheureusement dans nos quartiers d'Avignon, notamment dans les quartiers populaires. Et donc il s'est attelé à construire ce projet avec les habitants du quartier de la Reine Jeanne, y compris en faisant réfléchir, imaginer, rêver les enfants de ce quartier à travers les dessins que nous avons souhaité exposer aussi pour cette inauguration. Il y a beaucoup d'énergie dans le quartier, il y a beaucoup de volonté, mais il leur fait, il leur faut quelqu'un pour stimuler cette énergie, pour les amener, pour les sortir. Et moi, je crois que cela se fonde sur un principe fondamental. Je remercie Madame le maire de nous le faire depuis son arrivée sur la mairie d'Avignon. C'est celui de la démocratie locale. Quand je parle de démocratie locale, je vise simplement consulter, accompagner les habitants dans leurs projets. Et je ne parle pas de démocratie politique. Rencontre une histoire. La petite lumière vient de naître. Elle se promène dans le quartier, quand soudain, elle voit des images de pays étrangers, où il y a des jardins vivants. La petite lumière grandit, elle va voyager à travers le monde. Elle rencontre ses amis, avec qui elle va visiter la ville et jouer au parc. La petite lumière rentre à la maison, où sa famille l'attend.